Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc non, ça c'est 20. Ah non, donc c'est 21. Donc j'ai raison. Ça doit être bien la suite de Fibonacci. J'ai raison. Je suis pas totalement débile. Je suis heureux de l'apprendre. On va essayer quand même avant de dire que je suis pas totalement débile. 1, 2, 3. On a dit 5. C'est ça. 8. Et donc là, il nous faut 13. Donc il nous faut 10. Attendez. 10, c'est ça. 10 et 13. La barre et les deux trucs. Est-ce qu'il y est? C'est ça le truc. Oui, il y est. C'était la suite de Fibonacci. Je suis intelligent. Oh là là, oh là là. Ce jeu me donne l'impression que je suis intelligent. Ça me fait bizarre. Salut à tous et bienvenue de retour dans Franbow. Et je sais pas ce que j'ai activé du coup. Ok, je dois activer la manivelle. Très bien. Point d'interrogation. Je pense pas qu'il est sur les étagères. Est-ce que je dois pousser ça totalement et activer le truc? Ok. Oui, je devrais tourner le levier, mais... Ouki-douki-douki-douki. C'est de l'arnaque parce que je l'ai réussi. C'est dégueulasse. Bonjour. Et tu es mon gardien? Ça doit être le livre, oui, du magicien. Et comment... Ah, il faut que je retourne encore. Maintenant, je peux l'avoir. Ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est dingue comme ce jeu est assez compliqué, mais du coup, il y a des trucs quand on n'est pas totalement con. Ce qui n'est pas mon cas. On y arrive facilement. Et moi, j'ai réussi extraordinairement. Je ne sais pas comment. Comme quoi, je me sous-estime. Maybe, peut-être. Ok. Bon, bah, j'ai pris ce dont j'avais besoin. On saute pas, hein. Il n'y a pas besoin de sauter normalement. Tout va. Oh, j'ai eu peur. Il y a eu une absence de son pendant un moment. On va rester, hein, pendant ce temps-là. Parce que visiblement, en hiver, on se tape des trucs à chaque fois. Donc là, il fait beau. Tout est mignon, on va rester là jusqu'à voir le grand magicien. Comme ça, on n'a pas des trucs qui nous sautent dessus. Et... J'ai le livre! On va passer au troisième objet. Ah non, 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 lui parle pas. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est du charbon, ok, d'accord. Use. On l'use sur le grand magicien. Et voici votre livre. Il était à l'intérieur d'une boîte à musique. Et j'ai vu la poupée. The Itward Lock. Itward, encore Itward. Je sais pas qui c'est Itward. Je pense que c'est quelqu'un, mais... Ça semble vraiment amusant. Merci pour le livre. Eh ben de rien. Ça me permet de me souvenir de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant quoi? Il reste plus que deux choses sur l'étoile, là. Bien sûr, le poisson dans l'eau. Je vais te coincer comme un poisson dans l'eau, perdu comme dans un poisson dans comme un poisson dans l'eau. Poisson, poisson, nage libre. Retourne, petit poisson, retourne à la maison. Ah, j'ai cru qu'il était en train de l'enterrer. Oh, il est reparti dans l'eau. Vous avez réveillé le poisson? Eh bien oui, parce que je me suis souvenu de comment on faisait. Ce n'est pas magnifique? C'est magique, monsieur. Est-ce que vous pouvez faire avec d'autres choses comme... Ah, des humains. Elle recommence avec ses parents. Bien sûr, mais seulement si les circonstances sont positives. Eh bien, papa, maman, c'est pas tellement positif. C'est mort. Mais les circonstances ne sont pas souvent positives, effectivement. Je vois, monsieur. Donc, nous avons besoin des pierres manquantes, n'est-ce pas? Le poisson m'a dit que... Ma chaussure, mais en fait, tu veux que j'aille chercher tous tes vêtements, quoi, hein, en gros. C'est ça, les pierres. Après, ça va être son bâton.
Les chaussures sont sur les pieds. Ah, des Amazing Dancer. Donc c'est ça. Maintenant, il va falloir qu'on passe dans le bar. Il va falloir qu'on trouve le moyen de passer le garde. Est-ce que tu sais où le danseur pourrait être? Je n'ai aucune idée. Je sais. Il est dans le bar. Et il faut qu'on aille faire la fête avec les autres. En mode de... Alors, on va essayer le ticket du coup de l'exterminateur. Peut-être que ça marche. Voyons voir. J'ai un magnifique ticket. Ou alors, je peux le payer. J'ai un magnifique ticket pour toi. Le texte sur ça peut me mettre... peut me faire avoir des problèmes. Eh ben, c'est bien dommage. Use. On use. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ok. Toi, tu me sers à rien. Donc, il va falloir trouver le moyen de... d'avoir un ticket. Oh, le fantôme. Bonjour, le fantôme. Ça va, le fantôme? Il me parle pas, le fantôme. Et si je faisais comme avec... Voilà. Comme avec le... Cruic. Non, ça ne marchera pas. Merde. Je voulais faire comme avec le panier, mais ça ne marche pas. Comment je vais trouver? Parce que j'avais fouillé partout, là. Comment je fais? Et si je lui parlais? Bonjour encore. Est-ce que tu as trouvé ton ticket spécial? Le show est... It's about to begin. Il va bientôt commencer. A sleepy tree, good night. Ok. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Fallait le trouver, le trou. Ok, d'accord. Viens, mon chat. Allons à l'intérieur. Et souviens-toi, nous avons besoin d'un ticket, donc peut-être que on peut prendre celui de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas envie de voler. On va juste l'emprunter, mon chat. On peut le rendre plus tard. Ok. Et hop là, on va piquer le ticket de quelqu'un. Ah, c'est bon, c'est le chat qui demandait au chat. Ding. C'est amazing. Un piano qui joue tout seul. Waouh. Peut-être que je dois changer les saisons maintenant. Franchement, ça c'est vraiment un truc... l'énigme à la con, quoi. Faut cliquer sur tous les trucs. Je veux dire, comment tu peux trouver le truc... À part en cliquant sur tous les trucs, comment tu peux trouver... Ah, ah, toi t'as un ticket, toi. Oupsie. Et utiliser. Qu'est-ce que j'ai dans le truc? Je peux pas combiner avec ça? Non, je peux pas. Ok. Peut-être... Attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, en cliquant sur tous les trucs pour pouvoir trouver les solutions. C'est dommage, quoi. Enfin, on aurait pu avoir au moins un indice sur le truc. Il fallait forcément rentrer. Bon, peut-être qu'il faut... Oh, le danseur, il est là. Il y a les chaussures. Hello, lady. Est-ce que je peux emprunter votre ticket? Il fallait simplement que je quitte sur elle au lieu d'essayer de lui piquer. Parce que mon ticket a disparu. Oh, je ne peux pas. Je suis en train de l'utiliser... The coaster. Ah, cette limonade est vraiment délicieuse. Mais pourquoi? Vous avez une table avec une... Et vous mettez votre verre dessus. Oh, je n'aime pas le son du verre contre la table. Ah, je vois. Oh, peut-être que je peux l'échanger contre mon ticket à moi. Et vous aimez cette limonade vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Je bois parce que c'est rafraîchissant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai envie d'écouter cette musique. Bien sûr, au revoir. Et si... Poup. Ah ben, je pourrais changer. Je peux pas lui donner à elle. D'accord, ok. Je peux pas lui proposer d'échanger contre le truc de l'exterminateur. Comment je fais? Les bourrés. Prends-le. Voilà. Yes, je l'ai eu. Il fallait juste que j'attende un petit peu. Après lui avoir parlé. C'est un peu dommage d'ailleurs. Faut forcément lui parler avant de pouvoir... Enfin bref. C'est pas grave. J'ai le ticket, c'est tout ce qui compte. Tu es incroyable, mon chat. Je t'aime tellement. Maintenant, nous pouvons aller à l'intérieur. Et personne ne soupçonnera rien du tout. Rien du tout. Hé, monsieur, j'ai un magnifique ticket à te montrer, regarde. Use.
Regarde, j'ai un magnifique ticket. Je peux rentrer? Laisse-moi voir. Ce n'est... What? C'est pas possible? J'ai déjà laissé quelqu'un entrer avec ça. Oh oh. Comment tu veux que... Okanaino, comment tu peux savoir que c'est déjà quelqu'un d'autre le ticket? Les symboles sont corrects. Mais regarde à cette écriture. Cela appartient à quelqu'un de plus vieux que toi, je peux le voir. Ok, bye. Ça sert à rien d'insister. Donc j'imagine que peut-être je peux le griffonner. D'accord. Ah, là je peux griffonner donc le truc de l'exterminateur. Donc là ça marche. Pourquoi je pouvais pas le faire dès le départ? Franchement, ça, j'y ai pensé avant. Pourquoi je peux pas le faire? Je pouvais pas le faire. Regardez, j'ai mon propre ticket. Oh, je vois. Mais tu as simplement dessiné pour toi-même, bien sûr. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je n'étais pas invité, donc je me suis invité moi-même. Vraiment intelligent, petite fille, petite femme. Eh bien, je suppose que je peux te laisser rentrer à l'intérieur. Apprécie le show. Sérieusement, j'y ai pensé avant. Il fallait forcément que j'ai fait les trucs avant pour pouvoir avoir le truc après. Restez zen. Bonjour, monsieur. Hello, danseur, mister. J'ai vraiment besoin d'utiliser tes chaussures. Et pourquoi cela? Ces chaussures appartiennent aux danseurs. Je suis un danseur aussi. Et j'ai besoin d'elles pour danser avec le magicien. Je suis désolé, qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux tes chaussures! Tu veux quoi? Une petite limonade? Je pense qu'il est en train de me troller là. Non, tu me trolles pas là? Non? Je ne veux pas de ta limonade de merde. Où est-ce que tu as récupéré tes chaussures? Tu devrais boire une petite limonade, au moins... To drown your thirst, pour pouvoir rafraîchir ta soif. Mais le grand magicien en a besoin! S'il te plaît! Mais ce n'est impossible, je ne peux pas te donner mes chaussures. C'est... La seule façon d'avoir mes chaussures, c'est de les prendre à moi. And as you see... Et comme tu le vois maintenant, je suis en train de... Je suis dedans, quoi. Donc c'est impossible. Lève tes pieds! Vas-y, lève tes pieds, je vais te les prendre. Ça ne peut pas être fait. Only the very day when the boss opened the... Seulement le vrai jour. Donc les deux de mes pieds sont en l'air. Seulement à ce moment-là, mes chaussures peuvent être prises. I stand forever. Sinon, je vais rester debout tout le temps. Ok, d'accord. Je change d'époque, du coup, peut-être. Bonjour, monsieur, j'ai besoin de tes chaussures. Toujours. Pourquoi tu ne veux pas me répondre? Il est concentré. Ok. Et bien du coup, si je fais ça, je vais ressortir, très certainement. Oui, exact, Narm. Mais comment tu as su? C'est que tu es intelligent, dis-moi. Yup, je vais re-rentrer dedans. Et il faut que je trouve le moyen. Si je lui mettais le feu au cul, je sais pas, par hasard. Si je lui donnais une pièce, ça te dit une pièce d'or? Parce que je suis sûr que tu sais pas jouer. Ah, bordel. Peut-être que je peux le faire boire en communiquant avec l'autre. Bonjour. Oh, bonjour, tu es venu. Ah, c'est vraiment top. Tu apprécies le show? Ah oui, génial. Magnifique. Il n'y a pas de show, il n'y a rien là, mec. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vide. C'est nul. Je vais te rembourser. Oh oui, vraiment beaucoup. Mais j'ai besoin des chaussures du danseur et je ne sais pas comment les récupérer. Ah, tu aimes danser? C'est vraiment un très très bon danseur. Tu devrais le voir. Je ne l'ai jamais vu tomber. J'étais en train de cogiter ce que... Sur le coup, j'avais pas trouvé tout compris. Donc, il est le meilleur danseur du monde. Du monde? Je voudrais dire de l'univers. Il y arrive toujours à suivre le rythme. Ça doit être les chaussures. Eh bien, merci. J'ai besoin de partir. Ok, d'accord. Ça m'aide pas du tout. Bonjour. Est-ce que quelqu'un sait comment lui récupérer ses chaussures? Quel âge as-tu? J'ai suffisamment d'âge. Est-ce que vous connaissez Monsieur Antonio? Je vais bien. Est-ce que... Monsieur Antonio le Grand? Bien sûr! C'était un grand trompettiste il y a quelques années. Ma mère adore sa musique. Et je l'ai vu. Il est réel. Je l'ai vu dans le monde humain. Mais il est vraiment vieux maintenant. Vraiment? Oh, le monde humain? Eh ben tu sais... Quand nous vieillissons, nous allons tous visiter d'autres réalités. Pour voir si on a manqué quelque chose. Les humains ne font pas ça.
C'est pour cela qu'il était dans ma réalité, et c'est pour cela qu'il me parlait. Je n'étais pas folle. Et c'était un vrai. C'est vraiment fun. J'adore d'avoir des lettres de ma mère. Elle me dit plein de choses. Elle s'est pas fait piétiner, ta mère, encore. Elle a du bol. Ça a l'air vraiment fun. Je vais continuer de regarder. Have a nice day, ok. Peut-être que je peux leur parler, eux. Non, je veux parler au bonhomme. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu veux un autographe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le trompettien? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de réparer le piano. Le rythme doit être parfait pour que nous puissions commencer le show. Je vois. Je vois. Je peux lui rendre son ticket à elle, peut-être. Eh, voilà votre ticket. Je suis désolé, je l'ai pris, mais je voulais vous le rendre. Oh, my goodness. Tu es vraiment gentil. Merci. Oui, je suis très gentil. Je ne te l'ai pas volé, je l'ai trouvé par terre. The Kind Thief. Ah, j'ai eu un succès. Cool. Nice. Est-ce que... Non, je voulais l'utiliser pour qu'il me signe un autographe. Bon, bah, tant pis, je peux pas. Est-ce que je peux cliquer sur le piano? Il y a un truc à faire avec le piano. Il faut que ses pieds soient en l'air. Alors, peut-être... Il faut que je le fatigue d'une façon ou d'une autre. Je sais pas. En déconnant avec le piano. Je ne vais pas les embêter. Je sais pas. Je dois trouver le moyen d'y accéder, peut-être. Je sais pas comment. Oula. Tu vas vite, dis donc. Oula, tu vas vite. Tu vas vite. Tu vas très très vite. Tu vas très 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 vite. Il faut que je retourne dedans, peut-être. Comment je fais? Je peux pas utiliser le piano. Comment je fais? What? Bah... Attends, je pouvais faire ça? Je pouvais cliquer vite pour... Oh, si j'avais su depuis le départ, je pouvais cliquer vite pour rester dans le truc. Donc là, je peux trafiquer le piano. Ok. Je peux peut-être augmenter le... Attends. À mon avis, je dois trafiquer le truc pour que il aille plus vite. Si je fais ça. Non. Ça. Ça. Là, est-ce qu'il va aller plus vite, du coup? Je pense que c'est ça, du coup. Il faut que je fasse en sorte de le fatiguer. Allez, vas-y, fatigue-toi. Les quatre fers en l'air. Allez, vas-y. Allez, allez. Allez, bouge. Bouge, mec. Je veux te voir. Allez, vas-y. Danse. Les quatre pattes en l'air. Ok. Arrête de te secouer le cul, là. Bon, bah, écoutez. Je sais pas si j'ai réussi. Non. Tu veux pas balancer tes pieds? Non. Non, juste... Ok, d'accord. Bon, ça a pas marché. Peut-être que je dois encore... C'est redescendu! Yellow, bouton. Comme ça. Deux. Là, maintenant. Là, il va queener, là. Là, il va queener. Allez, vas-y. Queen. Ah, peut-être qu'il fallait que je me TP directement là pour éviter que les autres trafiquent le truc. Vas-y, fatigue-toi. Allez, fatigue. Oh, oui, tu fais une tête là, T'es fatigué, hein? T'es fatigué, vas-y. Tu veux pas t'endormir? Non, il veut pas s'endormir, ok. Le coquinou. Alors, peut-être qu'il faut que je trafique plus en fort encore. Mettre à fond. Non, ça a pas marché. Attends, si je fais ça, ça... Ta-ta-ta-ta-ta, ouais. Là, il va mourir. Allez, vas-y. Vas-y. Ah ouais, vas-y. Et voilà. Donne-moi tes chaussures. Ils l'ont récupéré. J'ai les chaussures. Ouais. Je suis tellement intelligent. Pas tellement, parce que je cherchais un petit moment quand même, hein. Non, t'as pas besoin de m'ouvrir, c'est bon, je finis. Il est cuit. Il a voulu jouer au malin. Et je l'ai battu à son propre jeu. Le petit enfoiré. Il a voulu faire genre me troller en disant qu'il m'entendait pas.
Maintenant, il va plus m'entendre. Je verrai plus. Il va se fatiguer. Il va être fatigué pendant au moins 3 ans. J'ai les chaussures. Elles sont vraiment jolies. Regardez. Oh, tu l'as fait. Tu as vraiment une machine extraordinaire dans ta tête. Merci, monsieur. Tu me donnes plus de crédit que j'en ai vraiment, que je n'en mérite vraiment. Maintenant, faisons le dernier pour que je puisse rentrer à la maison. Il serait temps parce que Itersta, c'est mignon, c'est joli, mais j'aimerais bien avancer un peu dans le jeu là. Le dernier, l'air. Je reconnais cette plume, ça appartient à Palantras. Oui, il était très bizarre. Le seul truc qu'elle a retenu, Fran, c'est le fait qu'il était blessé. Mais il était tout noir aussi. C'est très inquiétant. Il va bien aller, il a le rose. Ça peut réparer tout. Ça peut tout réparer. Ah, c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons avec la plume? Hihi. Go visit the old... Ah, voilà, c'est là qu'il faut que j'utilise la grande poupée Valonqas. La vieille poupée Valonqas. Ma baguette est là. J'avais raison, donc c'est bien la baguette. Ok. Je dois finir ma science sur le lapin. Ok. Je pense que j'ai la réponse. Ok, je vais te ramener ta baguette, mais... Pas d'indice ni rien. Eh ben, j'imagine qu'on va encore chercher pendant 3 heures. Malheureusement, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à liker, vous abonner et me laisser un commentaire. Ciao.